Bonjour tout le monde, bienvenue sur Fashion Africa Channel. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission Make-up. Pour aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour un maquillage du soir. C'est parti. Et je prends mon concealer clair pour faire ressortir mes fards. Je tapote. Ou votre Beauty Blender. Je prends un peu de poudre libre. Je passe au glitters, voilà, ça c'est les paillettes et c'est cette colle qui va faire tenir les paillettes pour que ça ne tombe pas. Je dépose à la partie où je veux poser mon glitter. Ouais, dès que vous posez, ça ne tombe pas. Fire, fire, fire. Je prends mon eyeliner. Voilà pour mon teint, je vais prendre un peu de Milk of Magnesia pour la peau qui brille et pour faire tenir le maquillage toute la soirée. L'étale sur les zones où il y a plus de brillance, c'est-à-dire là au niveau du nez. Comme la plupart des femmes ont ce problème. Très mat pour les peaux qui sont grasses et les peaux qui brillent. Ensuite, je peux prendre mon Beauty Blender. Je viens blender. Petit conseil, les filles, si vous faites un maquillage avec des paillettes, faites d'abord vos yeux, ensuite le fond de teint. Un concealer de chez Fenty Beauty. Je vais prendre ma poudre libre.
et venir déposer sur la zone T, là où j'avais mis une couleur pendant une minute dans le fond. Je prends un crayon marron. Mascara pour mettre un peu en bas. Même si vous mettez pas les fossiles, faut tout le temps mettre du mascara. Et je prends ma poudre, le matte finish. Ensuite, je passe au fard à joues. Si c'est le soir, on pouvait en mettre beaucoup plus que la journée. Pour les lèvres, je pense que je vais aller sur le rouge aujourd'hui. Et pour finir le tout, mon spray, mon fixateur de chez Makosi. Voilà les filles, j'espère que ce petit tuto d'aujourd'hui vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt sur Fashion Africa Channel dans votre émission Make-up. Bye bye!